Testing, test. Thank you.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix de la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Bon après-midi, la famille, bon après-midi, mon frère et soeur. Nous sommes réunis ici, dans la cathédrale, pour nous venir à Dieu de la foi, nous sert des fins, Lucie. Lucie, il termine son pèlerinage, il termine son parcours, l'eau sur la terre. À présent, bon Dieu, il appelle lui. Il termine son la joie, son bonheur, qui gagnait de la terre. Il termine aussi son souffrance qu'il connaît. Mais tout ça, nous mettons dans la main, Seigneur. Nous mettons la vie dans la main, Seigneur. Et nous remercions, Seigneur, pour son la vie. Nous imaginons en ces moments, même si y a un moment de la tristesse, toute sa bonne relation, tout ça qui nous vivent avec Lucie. Premièrement, comment madame Guilly, comment maman, son bon enfant, comment maman, et sœur, et cousine, et tantine, dans différentes relations que nous partageons avec lui au niveau de nos familles. Et aussi comme un ami, comme un voisin de la communauté où ils vivent. Mais voilà, nous imaginons tout ce qu'il aussi n'était pour nous, tout ce qu'il fait pour nous. Et nous imaginons aussi tout ce qu'il était pour bon Dieu. À cause de lui aussi, il tient madame qui tient un grand la foi et la foi solide. Même dans son maladie, sont la foi qui reste fort. Mais voilà, mon frère et soeur, en nous célébrer son la vie. Célébrer son la vie, ça veut dire reconnaître la présence de Dieu avec lui dans tout moment son la vie. De ce moment la joie, de ce moment bonheur, de ce moment difficile, de ce moment souffrance. Bon Dieu, il restait toujours fidèle envers lui. Par il restait fidèle envers chacun de nous. C'est ça qui nous célébrer et nous célébrer tout bon si bien qu'il aussi fin fait et accompli la terre. Tout son amour qu'il nous donne. Au commencement de sa service, on peut demander quatre membres de la famille pour venir ici devant, pour recevoir la bousie, pour sautalim sa bande la bousie, autour cinq. Nous ranimons cette flamme près de Lucie, notre sœur. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière de notre obscurité. Quel éclaire ce pas que nous avons fait pour repartir dans l'espérance. À présent, son garçon quitte, elle va déposer la croix à l'océan. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Lucie et pour chacun de nous. En ouvrant les quelques Seigneur, en nous regarde ça, crucifie, c'est la croix, l'eau là, là en l'air, devant nous. Il représente Jésus-Christ qui mord la croix pour chacun de nous, pour l'humanité, pour les mondes entiers, pour nous gagner la vie, pour lui vivre la mort, nous la mort. Il a le son propre terrain pour vexer la mort. Mais nous comprenons en réalité la mort, parce que la mort physique, inattirée, ne passe pas à lui. Mais Jésus promet nous la vie ressuscitée, la vie éternelle. Si nous croyons dans lui, la mort n'a pas dernier mot, l'eau nous. Si nous croyons dans lui vraiment, nous restons vivants, toujours vivants.
Alors nous demandons, Seigneur, pardon pour bonne foi, qui nous doutait de son amour, de son fidélité, de son présence avec nous, qui nous croit, nous peut combattre, nous tous seuls dans la vie. Alors nous demandons pardon. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ensemble, en nous prier. Seigneur Jésus, voici réunis dans ta maison l'époux, les enfants, la famille, les proches, les amis de Lucie qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. N'a pas assisté pour nous écouter parole bon Dieu. A reading from the book of wisdom. The souls of the righteous are in the hands of God, and no torment will ever touch them. In the eyes of the foolish, they seem to have died, and their departure was thought to be a disaster, and their going from us to be their destruction. But they are at peace. For though in the sight of others they were punished, their hope is full of immortality. Having been disciplined a little, they will receive great good, because God tested them and found them worthy of himself. Like gold in the furnace, he tried them. And like a sacrificial burnt offering, he accepted them. In the time of their visitation, they will shine forth and will run like sparks through the stubble. They will govern nations and rule over peoples, and the Lord will reign over them forever. Those who trust in him will understand truth, and the faithful will abide with him in love, because grace and mercy are upon his holy ones, and he watches over his elect. The word of the Lord. Thanks. Yeah.
là-bas des bouts de poule évancile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Laisse n'arriver pour saisir quitte la terre et pour lui retourner pour son papa. Et s'il est son lycée en l'air, et s'y prier. Et t'y dit, papa, laisse n'arriver. Glorifiez au garçon, pour qui au garçon, il y a pas glorifié au. On donne le pouvoir, le tout être humain, le tout du monde, pour donner la vie éternelle, tout sa bande qu'on donne. La vie éternelle, c'est qu'ils ont connu comme un seul vrai bon Dieu, et que c'est écrit qu'on a envoyé. Mon glorifié ou la terre, mon fini faire ce travail qu'on donne moi pour faire. À présent, papa, glorifiez-moi dans présence. Avec sa même majesté qui me tient avec vous avant création du monde. Papa, on donne-moi un autre. Mon lait qui saute aussi, tout d'abord avec moi, côté mon été. Pour qu'il se doit, mon la gloire, qu'on donne-moi, à cause d'un compte en moi, avant que les mondes s'y gagnent créer. Papa, où qu'ils existent, les mondes pas connu, mais moi, mon connu. Et je te connais qui c'est où qui n'envoie moi. Mon frère, je te connais. Mon pour continuer à faire. Comme ça, c'est l'amour avec lequel on compte en moi. Ava dans l'autre. Pareil moi-même, moi dans l'autre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et nous allons écouter un témoignage. Témoignage written by older sister Winasimo. Dear friends and family, today we gathered to celebrate the life of my beloved sister, Lucie. I want to express my gratitude to all of you who have joined us on this solemn occasion to remember the life well lived. Your presence here is a testament to the impact that Lucie had on all of us. 4 years ago, when Lucie was diagnosed with cancer, our family, friends rallied around her with gifts of money and prayers, enabling her to travel to India for treatment. We thank God for granting her an additional 4.5 years with us, allowing us to create more cherished memories together.
We know that everyone is granted such times with their loved ones who suffer from terminal illness. And we are eternally grateful for the extra years we had with her. Although Lucie became unwell again 2 years ago, she faced her pain and suffering with bravery and never once complained. She embraced her struggle with unwavering faith, knowing that the Lord was always by her side. I would like to extend my thanks to some individuals who provided comfort and support to Lucie during her illness. Our great aunt, Auntie Alice, showed her love and kindness through her acts of generosity. Lucie's cousin, our cousin, provided compassion, love and care. And Lucie expressed her love and appreciation for you. You know who you are. Nana, one of Lucie's dear friends, loved and cared for Lucie until the very end, refusing to leave her side. Nicole, Lucie's neighbor, also provided loving and careful care for the past few months. Gilly, Lucie's loving husband, stood by her side through all the pains and suffering, showing great compassion and affection. My son Gary left the UK to care for his aunt, and my niece Valerie left Italy to care for her mother. They both provided unwavering love and compassion, and dedication was truly humbling to witness. Now I want to share a little bit about Lucie's life. She was a special person who touched the lives of so many, young and old alike. She was not only my little sister, but my godchild as well. I took her to live with me when she was just 3 years old. And from that young age, she showed me so much love and affection. Even during her last trip to the UK for Christmas last year, she hugged and kissed me and showed me so much love. Lucie nurtured all my four children from infancy and created a great bond between them. She always showed me great respect and listened to my advice when I counseled her. Lucie's life was a testament to the power of love, faith and hard work. Her love for her family was evident from a young age. When she started school, I sent her back home to spend time with her sibling. She then returned to me every Friday and school holidays. Lucie is a mother of four children, Valerie, Kit, Sanjo and Rebecca. Two boys and two girls. Sadly, 27 years ago, her youngest child, Rebecca, passed away at a tender age of 3 years old. Despite the immense grief and pain that came with the loss of her child, Lucie persevered and drew strength to provide for her remaining children. She worked tirelessly to raise them with care and love. Lucie's children deeply appreciate and recognize the sacrifice she made to ensure that they had a good life. They hold her in a high regard and treasure her memory forever as a unique and exceptional mother. Lucie also had four grandchildren, Alia, Maxine, Lauren, and Yannick, who she absolutely adored and loved greatly. In 2006, Lucie encountered the love of her life, Gilly, who she later married after a few years. Last year in April, they consecrated their union in a church, actually right at this church here. Lucie's profound affection for Gilly was evident, and I was delighted to see her find someone who reciprocated her love and provided her with care. They were indeed an ideal companion for each other. Lucie's love extended beyond her own family to the children she cared for as a childminder.
She welcomed them into her home every day with open arms, and they called her Mama. Because of her love and affection she showed them, Lucy's faith was also a driving force in her life. She had a strong relationship with God, and she would spend hours praying for others. We often did this together via WhatsApp. She believed in the power of prayer, and I knew that God would always be there for her. Her faith sustained her through the difficult times, and she was always grateful for the blessing in her life. Lucy was a hard worker, and she never shied away from a challenge. She started working at a young age, and she worked in many hotels and restaurants. Later in life, she started her own independent child mining business, and she cared for up to 15 children at a time. Her love for the children was evident in the way she greeted them every day. The parents loved her just as much. Lucy's life was cut short by illness, but she never lost her spirit. In fact, she shared some amazing dreams with me in her final months. Dreams that demonstrated her journey of faith and the reward God had bestowed upon her. Her life was a beautiful example of love, faith, and service, and she will be deeply missed. To my dear sister Lucy, I say farewell for now. Your life is a gift to us all, and we will cherish the memories we have of you. May God welcome you home with open arms, and may you rest in eternal peace with love and gratitude. Your loving sister, well now otherwise known as Marem. Rest in peace, Tati, till we meet again. To you, our dearest mom, you are the most wonderful mom to us, a treasure that can never be replaced, a good mother and a faithful servant of God. You made the lives of everyone around you better with your compassion, and you were always ready to help everyone no matter what. You nurtured us with your tender love and supported us in every way. We've been through a lot together, but with your strength, faith, and love, we've always made it through. You're the strongest woman we know. We know you'll have a special place in heaven, and we hope you know how much you are loved by all those you left behind. These tears we are shedding today are because we miss you so much already. You will always be in our hearts and by our sides, Mom. Though we're going to miss you, we know you're in a good place with Jesus and those who have gone on before. We love you, Mama Du, always and forever. Your daughter Val, your sons Kat and son Joe, your husband Gilly, and all your families. Rest in peace, Mama Lucie. My dearest friends and family, I'll be reading this tribute written by Jennifer McPherson, Simeon. My tribute to my beautiful and loving Auntie Lucy. It is with a heavy heart that I write this tribute to my beloved Auntie Lucy, who closed her eyes on the 14th of April, 2023. She was not just my aunt, but she was also a second mother to me and my brothers. She showered us with immense love and always went above and beyond to help us with anything we needed.
We reciprocated that love and adoration towards her and always tried to assist her in any way possible. Reflecting back on the many years we shared together, we have so many happy and joyous memories. She was always a special aunt to me, but her presence was especially comforting during our family's time of suffering back in 2009 when we tragically lost my father. She was there every step of the way, accompanying me to the hospital and traveling with me in the car when we took my father back home. She even gave up 6 months of her life to care for us, especially for my mother who was struggling with bowel loss. Auntie Lucie was our rock during that difficult time, and for that we'll always be eternally grateful. We shared so many good and sad times together, but the happy memories will always be the ones that shine brightest. I feel blessed that Auntie Lucie got to meet both of my children. She made it a priority to visit us in the UK in 2017 when my daughter Gabriella was born. And even more recently, at Christmas last year, she came to meet my son, Jamie. Despite her illness, she made it her mission to visit us because she loved my family so much. Looking back at our messages on my phone, she would always sign off with, "Pupit, Auntie loves you so, so much." I felt the same way towards her. Auntie Lizzie had a unique character, and everyone who met her fell in love with her because of the love she exuded. My husband Joseph was also touched by her passing, as she had become his own auntie. They had their own special relationship, and she would always call him on his birthday and Father's Day to wish him well. She did that for us all. I could write a whole memoir dedicated to my precious aunt, but time does not allow me to do so. I will end this tribute by saying that, Auntie Lucie, we love you dearly, and you will be greatly missed. May you rest in perfect peace until we meet again. With love and fond memories, Jennifer, your Pupit. Gave a life to me, turn away.
Gilly, Kit, Valerie, Sanjo, les autres membres de la famille Pros, bonnes amies, nous venons dire adieu aujourd'hui à un monde vraiment spécial. Lucie, de venir exprimer la témoignage comment il s'en est un grand amour et il brille par son amour qui tient. Il s'en est un amour qui est contagieux. C'est un amour contagieux en français. Il veut dire attrapé. Quand il nous dit une maladie contagieuse, ça veut dire maladie attrapée. Mais il n'y a pas une maladie qui est contagieuse. C'est son amour, son personnalité, sa super personne qui est Lucie, qui était. Et pourquoi nous ne pouvons pas dire ça à cause de nous pouvons célébrer son funérail, mais c'est une réalité vraie. Et voilà, oui. Nous remercions mon Dieu pour sa grand amour qui Lucie a dans son vie. Nous tous, bon Dieu demande-nous pour nous en amour. À cause nous capables en amour. Tout humain de notre capacité pour en amour, pour vivre l'amour. Mais bien souvent, nous laissons les autres quelque chose entrer dans nos cœurs et nous poussons l'amour à côté. L'amour dans la vie, il veut dire bon Dieu qui est avec nous. À cause bon Dieu, il l'amour. Bon Dieu, il y a un très grand amour pour nous. Et tellement grand, spécial pour chacun de nous. Qui n'a envoyé son garçon, ses écrits de la terre. Qui souffert, passe par la passion. Mort. À cause de son amour. À cause de l'amour bon Dieu pour nous. Oui, bon Dieu, il crée nous. Il donne nous l'équerre. À sa ressemblance, pas, pour nous capables, content les autres. Aujourd'hui, de ce monde qui nous peut vivre là-dedans. Aujourd'hui, de sa Cécile qui nous peut vivre là-dedans. L'amour doit croire plus loin. À cause du monde, pas vivre l'amour. Papa dit, nous ne pouvons pas vivre tout l'amour de Cécile, non. Mais nous pouvons laisser autre quelque chose prendre en place dans nous la vie. Comme la jalousie, la haine, fasserie, rancune. Nous pouvons laisser quelque chose pour prendre contrôle de la vie. Eh bien, malgré tout ça là, ça va une puissance de la mort qui la haine représentait, qui rancune représentait, qui la jalousie représentait, puissance de la mort. Bon Dieu envoie parfois bonnes étoiles pour éclairer de sa fée noire. Et Lucie tient sa étoile qui s'éclaire de sa fée noire qui nous l'a donné. Oui, mon frère, c'est à cause de Lucie comme ça. À cause de tient grand la foi. À cause de la foi, si vrai dans nous, il y a avec l'amour. Ça dit quelque chose, pas séparé avec camarades. Nous ne sommes pas capables de dire nous dans l'amour. Si nous ne sommes pas capables de dire nous dans la foi si nous n'avons pas l'amour. Ça dit quelque chose d'immense ensemble. Et je te dis quelque chose dans le témoignage, service, ça doit quelque chose. Il tient à la foi. Il tient à l'amour. Et service, ça doit quelque chose. Je te dis le témoignage. Oui, ça doit quelque chose immense ensemble. Quand on a l'amour, nous avons besoin de la foi aussi. Mais si tout quand on a la foi, nous besoin de l'amour. Si nous disons nous avons la foi, nous sommes chrétiens et nous ne pas content les autres, nous toujours voir les autres mauvais, nous toujours voir du mal partout, dans tout coin ses mains. Mais c'est-à-dire, nous n'avons pas une vraie la foi. Vraie la foi, il fait nous plus bien clair, plus bien apprécier la vie. Nous la vie et la vie des autres. Pareil aussi, il nous apprécier la vie des autres. Il qu'on apprécie la vie des autres comme un blessing, je te dis, des témoignages. Un blessing. Et bien souvent de la vie, nous pas qu'on apprécie, ça va un blessing qui nous gagne. Nous pétaille derrière quelque chose qui nous n'a pas.
Nous ne pouvons pas être ainsi derrière quelque chose qui nous n'a pas. Et nous ne pouvons pas guetter ça qui nous a en disant. Tout ça qui bon Dieu donne nous. Tout ça qui a bon Dieu dans nous la vie, il donne nous. Ça a bon l'affection, l'amour, l'amitié. Nous ne pas gagner le temps qui garde ça. Nous pouvons guetter quelque chose qui nous n'a pas. Et nous pouvons tailler derrière. Nous pouvons perdre nous le temps. Perdre nous le laisse. Alors Lucie. Mon Dieu, comme ça, à cause où haine, c'est la lumière de sa la vie, de sa ténèbre qui nous la donne. Et on donne-nous l'espérance, on donne-nous courage, chaque fois que nous voyons des gens comme ça. Par là, si nous voyons nous lisons, nous avons des gens comme ça. Il y en a dans ces cellules, il y en a dans nos communautés, il y en a dans nos familles. On nous discute bien. Et ça va dire monde, ça va dire la lumière, ça va dire étoile. Il est là pour donner la force, donner le courage, pour ne pas décourager. Malgré tout ça, va quelque chose de mauvais qui en a autour de nous. Oui, vous êtes témoin, et témoin de ces écrits. Mais pareil, nous tous, chrétiens, nous allons demander pour être témoin de ces écrits. Nous allons demander pour être la lumière pour les autres. La lumière, c'est écrit. On nous amène sa flambeau. On nous amène sa lumière. Et dernière question, ce qu'ils m'ont dit, c'est Lucie, oui. Il y a aussi son faiblesse, pareil tout le monde. On peut dire que Lucie n'est pas parfait. Non, il n'y a personne qui n'est pas parfait. Mais il y a la lumière pour nous. Mais la question qui m'ont important dit, c'est qui de son maladie, de son souffrance, il pense sans me perdre la foi. Il toujours ouvert sur les cœurs, bon Dieu, prier. Il toujours mettre son confiance, bon Dieu. Et ça est grand. Et nous dit, Seigneur, merci. À cause de maladie, souffrance, la mort, malheur, difficulté. Il qu'a fait nous tourner les dos avec bon Dieu. Par exemple, il y a une quantité de monde qui dit, si bon Dieu existait, parce qu'il pourrait avoir un malheur dans le monde. Alors je perds la foi. Ça que je t'appelle la foi. Il passe la foi. À cause de la foi, il y a un grand trésor. Et tout le temps, nous avons besoin de bon Dieu pour donner plus ça la foi. Et lui, Lucine garde son foi jusqu'à la fin. Malgré toute son souffrance qui ne passe à travers. Mais il connaît aussi la joie. Il connaît le bonheur. Il connaît la vie, la famille bien. Il connaît la famille, la vie en couple avec Guili. Tu peux vivre un grand lambeau. Je suis content, vraiment, content camarade. Et moi, si j'ai sa privilège pour bénir notre mariage l'année passée, ça. Hein? Yeah. Voilà. Mais il commence malade. Mais il est content. Parce qu'il voit la tristesse sur son figure. Tu vois la joie sur son figure. Voilà. Merci, Lucie, pour sa témoignage qu'on laisse avec nous. Que vos enfants, vos bonnes six enfants, bonne maman famille, bonne sami, nous tous, nous avons quelque chose pour laisser nous inspirer par l'exemple qu'on quitte avec nous. Repose en paix dans les bras, bon Dieu Papa. Repose en paix dans les bras Jésus au Sauveur. Repose en paix dans les bras Marie, nous maman au ciel. Et prie pour nous. Et nous aussi, nous prie pour ici-bas. Amen. Mon frère et sœur, président de la Badiboute, pour nous exprimer, nous donne l'intention, la prière universelle. De récompenser pour sa bonté et son dévouement.
Que le Christ ressuscité l'accueille et le recevoir de la gloire de son Père. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions pour tout le monde, la famille et aussi bonnes amies et connaissances qui étaient avec sa bonne joie, la tristesse qui douloureuse. Qu'ils ont tout d'un coup, la lumière, la part, la force et courage pour vivre sa moment séparation et qu'ils ont amené toute espérance d'un coup qui n'emporte la victoire ou la mort et qui donne la vie. Seigneur, écoute-nous la prière. We pray to you, Lord, for the sick in our families and all the families in our country around the world, that their faith may be for them a source of comfort and hope. May they experience the peace of Christ and the helping hands of your Spirit to come to their aid. Lord, hear our prayer. We pray for all of us here today and all for all our members of our church, that we may be prepared for the hour of our own death, when God will call us by name to pass from this world to the next. Lord, hear our prayer. Seigneur Jésus, toi qui es là, au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute nos supplications et viens répondre à nos prières. Nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes baptisés. Il arrive là pour nous passer la quête. Et nous remercions beaucoup pour votre générosité. Il n'y a pas un chant pendant qu'il nous peut passer la quête.
n'a pas des bouts pour nous consigner la prière. Entre les mains de notre Père, où l'homme est appelé du fond de sa misère, nous te laissons partir, Lucie. Le Dieu qui a pétri au corps de Jésus-Christ ta chair et ton esprit saura bien t'accueillir. Ta place est pour l'éternité entre les mains de notre Père. Entre les mains de notre Père, plus douce que nos mains, plus forte que la terre, nous allons déposer ton corps. Le Dieu qui a donné l'amour et l'amitié ne peut nous séparer à jamais par la mort. Un jour, nous ne serons plus qu'un entre les mains de notre Père. Entre les mains de notre Père, qui voit chaque douleur, qui sait toute prière, qui voit toute tristesse, nous retrouvons l'espoir. Le Dieu qui est venu nous dit par Jésus, la joie de son salut ne peut pas décevoir. Comment ne pas reprendre cœur entre les mains de notre Père? N'abaissante, c'est la prière qui saisit lui-même, c'est la prière spéciale qui saisit une enseigne. Lucie s'est endormie de la paix du Christ. Confions-la à l'amour de Dieu notre Père, de la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur, au repas de l'Eucharistie, pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'elle reçoive un héritage avec les saints, l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec Lucie à la rencontre du Christ quand il viendra de la gloire, lui qui est notre vie. À présent, nous calons sens sur les corps. À cause sur les corps, nous promet pour ressusciter, et pour ressusciter, ça les corps. Qui nous permet de cimetière, nous soyons incinérés. Nous puis aussi bénir son les corps. Salé l'eau bénie, rappelle-nous de l'eau son baptême qui s'écoule sur la tête pour lui régner et vivre un nouveau créatif d'un bon Dieu, pour lui recevoir la vie bon Dieu, pour lui vivre être membre de l'Église et temple l'Esprit Saint. Mais salé l'eau bénie aussi où il exprime nous l'amour, nous l'affection, nous l'amitié qui nous en a pour lui et qui va pour sa mémoire. Thank you.
Nous chantons un chant à la Vierge Marie. Lucie tenait grand l'affection et grand l'attachement à la Vierge. La Vierge est toujours là avec lui. Alors lui-même, la Vierge, pour accueillir son âme là-haut, dans le royaume de son garçon, pour prier pour bonne qui est derrière, pour prier pour chacun de nous. Alors nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Que l'âme de Lucie et que toutes les âmes des fidèles trépassés par la miséricorde de Dieu reposent en paix. Amen.
en nous prier. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre sœur Lucie, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Lucie a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons le signe de ton amour. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celle qui vient de nous quitter et ouvre-lui les portes de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, et spécialement Gilly, ses enfants, ses proches, sa famille, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre sœur Lucie auprès de toi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de ce service ici, l'Église. Avant de terminer, je l'exprime mon sincère condoléance à la famille, bien sûr, qui dentille aujourd'hui, à Gilly, Kit, Valérie, Sanjo, et tout mon proche, la famille et les amis. Et qui bon Dieu donne notre croise, donne notre son bénédiction, et fidèle avec vous tous les jours, immense avec vous. Et ma prière pour vous, et nous continuons à prier ensemble. Que Lucie repose en paix. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'avons pas nos chants d'envoi, nos chants d'adieu pour nous dire adieu à Lucie. Es una nave.
Sous-titrage Société Radio-Canada.